Salut, salut, salut. Salut mamie, j'espère que vous ça va comme d'habitude. Non, arrêtez, j'aime pas chanter. Comme d'habitude. Depuis 2-3 vidéos, j'ai changé mon intro YouTube. Si vous êtes des vrais, vous la connaissez et elle va popper tout de suite maintenant. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Pour les plus connaisseurs, connaisseuses d'entre vous, il s'agit d'une chanson qui s'appelle... Backdoor. La trompée, wesh, de Stray Kids. C'est un groupe sud-coréen que j'aime beaucoup, de K-pop. Et je me suis dit, mais Juliette, enfin, on la met en intro, on la met dans nos vies, pourquoi pas la mettre en danse, en représentation réelle. Et vous savez à quel point j'aime danser, même si la danse ne m'aime pas vraiment, qu'on a une relation à peu près unilatérale de mon côté, d'amour. Mais ici, on ne baisse jamais les bras. Donc du coup, aujourd'hui avec vous, je vais faire le refrain de cette chanson de Stray Kids. Et juste avant, j'ai pas du tout regardé, enfin je connais la chanson, mais je vous avoue que le refrain, je l'ai pas trop en tête. Donc je vous propose qu'on regarde la choré et qu'on voit ensuite tuto, etc, blablablouille pour la faire. Vous voyez, parfois dans la vie, il faut savoir où est sa place, dans le sens où on ne sait pas vraiment où se situer par rapport à certains événements qui nous arrivent. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas là où on devrait être, à faire ce que l'on devrait faire. Et je pense que parfois, même si tout est atteignable, avec la passion, l'endurance, la persistance, la persévérance, le don de soi et de ce que... Et parfois, faut pas forcer. Et aujourd'hui, je vais pas forcer. Je vous l'avoue, entre nous, on va pas se mytho. Je vais pas forcer. Il y a des combats qu'il faut savoir. Il faut avoir le courage de ne pas mener certains combats. Et aujourd'hui, j'ai ce courage-là. Voilà, mamie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, on retient qu'il ne faut jamais baisser les bras face à l'adversité. Que tout est accessible quand on s'en donne les moyens. Je vous fais de très gros bisous. Et on se revoit très très vite. J'espère que cela vous aura plu. Prenez grand soin de vous.